Bonjour tout le monde, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mon Tiroir de Couture qui est une chaîne dédiée pour les bébés ainsi que les prématurés. Vous trouverez du tricot pour les habiller, des tutoriels, tout ça. Aujourd'hui on va tricoter un chausson botte de pluie pour bébé taille 0-3 mois, donc naissance 3 mois. Pour cela vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 3,5 et d'une seule aiguille numéro 3, de deux pelotes de laine blanche et orange pour faire le chausson en blanc et en orange. Je me suis inspirée de la vidéo de Fadinou que je vous mettrai dans la barre de description si vous souhaitez aller voir sa vidéo. Je l'ai juste légèrement modifiée à un endroit pour que le chausson me ressemble plus. J'avais envie de changer un petit peu de l'origine, d'avoir un peu d'originalité par rapport aux autres vidéos que j'ai pu regarder. Donc je vous laisse visionner les deux vidéos si ça vous intéresse. Donc je vais commencer par la laine blanche avec ma paire d'aiguilles numéro 3,5, puisque le numéro 3 nous n'en avons pas besoin pour le moment. Et vous allez commencer par monter 33 mailles. Donc c'est parti. Je vous laisse monter vos 33 mailles et je vous retrouve pour la prochaine étape. Quand vous avez tricoté quand vous avez monté vos 33 mailles plutôt, ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va venir tricoter au point de mousse deux rangs, donc un aller-retour. Donc c'est parti. Non, je suis en train de me tromper d'aiguille. Toujours avec nos aiguilles 3,5, on va venir faire deux rangs de points de mousse. J'ai terminé du coup de faire une barre de points de mousse, donc vous avez une barre de points de mousse juste ici, donc deux rangs égale une barre. Maintenant on va venir faire des augmentations pour créer la semelle, donc on commence le chausson par la semelle et ensuite on terminera au niveau de la cheville. Alors pour commencer vous allez faire une maille normalement. Vous allez venir faire une maille avec une augmentation, donc vous la tricotez. Vous la récupérez et vous venez à l'arrière piquer la maille comme ceci, ce qui s'appelle une augmentation. Ensuite on vient faire 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On revient faire une augmentation. Donc une augmentation. Hop. Là, comme on vient de faire une augmentation, on va revenir faire une maille individuelle. Puis on va revenir faire une maille avec une augmentation, donc on ne lâche pas la maille et on vient piquer à l'arrière et hop là, et ensuite on vient refaire 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il doit vous rester 2 mailles. Ensuite, on vient piquer cette maille-là pour faire une augmentation. On vient à l'arrière piquer pour récupérer la maille
Et ensuite, on fait une dernière maille toute seule. Et voilà, premier rang d'augmentation effectué. Ensuite, au rang suivant, on vient faire le rang au point mousse, donc tout à l'endroit, sans augmentation, sans rien du tout. Donc, on tricote toutes les mailles comme elles viennent. Je vous retrouve pour le prochain rang où il y aura une augmentation. Je viens de terminer mon rang à l'endroit où il fallait faire toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on va venir faire un autre rang d'augmentation. Donc on va procéder à la même, c'est la même chose en fin de compte à chaque fois, sauf que vous augmentez les mailles entre chaque augmentation. Donc je vais vous réexpliquer. Donc là, on fait une maille normalement. Ensuite, on vient faire une maille avec une augmentation. Donc là, on vient piquer. En fin de compte, vous venez piquer à l'arrière pour récupérer la maille pour faire une augmentation. Voilà. Ensuite, vous faites 15 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, vous venez piquer pour faire une augmentation. Donc, on tricote la maille et ensuite, on vient faire l'augmentation. Et voilà. Ensuite, on fait une maille individuelle. Puis on vient refaire une maille avec une augmentation par l'arrière. Et voilà. Donc ça vous fait deux mailles dans une, comme là. Et ensuite, vous venez refaire 15 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, on vient faire la maille, on la tricote et on vient faire une augmentation dans la maille. Et la dernière maille, on la tricote individuellement. Ensuite, au prochain rang, vous allez venir tricoter le rang à l'endroit, donc au point de mousse. Et c'est parti. Et je vous récupère à la prochaine étape pour une dernière augmentation. Et voilà, mon rang est terminé. Mon rang tout à l'endroit. Maintenant, on va procéder au dernier rang d'augmentation pour ensuite passer un peu plus haut. Donc, on revient faire la même chose. Donc, on fait une maille individuelle. Ensuite, on vient faire une maille avec une augmentation. On pique à l'arrière. Hop. On vient faire 17 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On vient faire une maille avec une augmentation, puis une maille individuelle, et on vient refaire une maille avec une augmentation. Et on tricote nos 17 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.
il vous reste 2 mailles, et là vous venez faire une maille avec une augmentation, et ensuite une maille individuelle. Et voilà. Donc vous avez terminé votre rang d'augmentation, ça vous donne ceci. Et maintenant, on va tricoter 5 rangs de jersey. Donc, je vous laisse tricoter 5 rangs de jersey. Donc, on commence par un rang à l'endroit. Je tricote mes 5 rangs de jersey et je vous retrouve après pour vous expliquer les prochaines étapes. Mais là, vous devez faire 5 rangs de jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on se retrouve après sur... vous refaites un rang à l'endroit et on doit se retrouver sur l'envers du travail pour pouvoir faire la prochaine étape, relever des mailles. Et donc j'ai terminé de tricoter mes 5 rangs de jersey, donc c'est censé vous donner ceci, du jersey juste ici et du point de mou juste ici. Donc là on est sur l'envers du travail et on va venir donc en fin de compte. Vous avez votre motif, donc ici vous voyez que c'est espacé et là vous voyez que le motif n'est pas le même que là. Donc en fin de compte, notre jersey il commence ici, là, juste là. Donc on va venir récupérer les mailles juste ici et il faut que vous en récupéreriez 45 mailles. C'est pour ça que notre aiguille numéro 3 va être la bienvenue. Donc c'est simple. Vous allez venir ici, donc sur cette colonne là. Et vous allez venir piquer pour récupérer les mailles. Donc, je vais essayer de me mettre bien dans le champ pour que vous puissiez voir. Et moi je récupère toutes les mailles du haut, donc toutes les mailles, alors attendez, donc celle-ci, attendez, il faut qu'il fasse le focus, donc celle-ci, 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 toutes les mailles du haut en fait, je récupère pas celle-ci et les mailles du bas, je récupère que celle du haut, là, juste là, ici, j'espère que vous avez bien vu, et donc c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et ainsi de suite. Et je vous retrouve au bout du rang pour la prochaine étape. Et voilà les 45 mailles sur les deux aiguilles, donc 45 et 45. Donc ça doit vous obtenir ceci, donc vous avez le tricot qui est comme ça, en fait. Donc vous êtes venu relever toutes les mailles d'ici. Ça c'est notre tricot de base. Et donc on va plier en deux, comme ceci. Donc là, vous avez l'aiguille numéro 3 avec les mailles relevées et l'aiguille numéro 3 et demi pour le tricot de base. Maintenant, on va venir tricoter les deux mailles à chaque fois ensemble. Donc je vous explique. Vous piquez dans la maille du bas. Hop. Vous piquez dans la maille du haut. Et vous tricotez les deux mailles ensemble. Pour récupérer une seule maille. Et voilà. Une maille. On refait la même chose. On pique dans les deux.
et on tricote les deux en même temps. On refait la même chose. Toujours les deux, vous piquez dans les deux mailles, dans les deux aiguilles, et vous venez tricoter la maille comme si c'était une maille normale en fait. Prenez bien votre temps parce que des fois les mailles elles glissent vu que il y a plus d'éléments, de matière. Je vais vous retrouver à la fin du rang. Comme ça vous laisse le temps de tricoter le rang normalement. Maintenant, le rang, il est terminé. On va venir. Donc là, vous avez toute la bande du bas de la chaussure en fait. Et donc, on va venir faire deux rangs de points de mousse. Donc, une barre de points de mousse. C'est parti. Donc, on tricote un aller-retour. Donc, deux rangs. J'ai terminé du coup de faire ma barre de points de mousse. Donc, juste ici. Voilà. Maintenant, on va venir prendre la couleur orange. Donc, on déroule du fil. Et on va venir ajouter le orange à notre tricot. Donc, moi, je l'ajoute comme ceci et je laisse une dizaine de centimètres. De façon à pouvoir rabattre le fil tranquillement, posément. Et là, on va venir tricoter 4 rangs de jersey avec du orange. Donc, attention de ne pas mélanger vos fils surtout. Et donc, on tricote 4 rangs de jersey orange. Attention de bien tricoter le orange sur l'endroit pour que à l'envers ce soit comme ceci. Qu'on voit bien la démarcation dans l'envers du chausson, pas dans l'endroit. Et donc on va faire 4 rangs comme ça. Donc là je fais un rang à l'endroit, ensuite je vais faire un rang à l'envers. Et je vais refaire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc 4 rangs. Maintenant que mon rang à l'endroit est terminé en orange, on va venir faire à l'envers pour faire du jersey. Et ensuite, il me restera 2 rangs à réaliser. Donc on tricote comme ça pendant 4 rangs. Je vous retrouve pour la prochaine étape qui sera des diminutions. À tout à l'heure. J'ai terminé de tricoter mes 4 rangs de jersey orange. Donc vous pouvez voir que je les ai terminés. Maintenant, on va passer aux diminutions pour créer la forme au niveau des orteils. Donc c'est parti. Alors le fil blanc, par contre, vous pouvez le couper. Simplement parce que le blanc n'en aura pas besoin pour l'instant. Je vous invite à couper à une dizaine de centimètres environ pour réussir à faire la couture. Comme ça, vous serez tranquille. Donc là, hop. Et la laine blanche, je l'enlève pour l'instant. Ça me gênera moins. Alors, pour commencer, les diminutions vont se faire dans le milieu du chausson. Donc vous allez commencer par 18 mailles à l'endroit, puisqu'on est sur le rang à l'endroit, donc on tricote à l'endroit. Donc c'est parti, 18 mailles individuelles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 et 18. Quand vous avez tricoté vos 18 mailles, vous allez venir tricoter 2 mailles ensemble. Donc on pique les 2 mailles comme ceci. On vient les tricoter ensemble. Voilà.
On revient faire deux mailles ensemble. Comme ça. Ensuite, on fait une maille individuelle. Et on revient faire deux mailles ensemble. Et encore deux mailles ensemble. Et là, on termine le rang par nos 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Quand vous avez terminé votre rang, du coup, avec... Donc là, on a fait une première diminution qui est située ici. Là, maintenant, on va être sur l'envers du travail. Et l'envers du travail, vous aurez toujours à les tricoter normalement. Vous faites un rang à l'envers sans faire de quoi que ce soit. Vous les tricotez comme elles viennent, les mailles. Donc, on va tricoter notre rang tout à l'envers. Je vous retrouve au prochain rang pour vous expliquer les autres diminutions à effectuer. Mon rang tout à l'envers est terminé. On va venir procéder à une autre diminution. Vous en aurez 4 comme ça à faire. Là, on va être rendu à la deuxième. Alors, on commence par tricoter 16 mailles individuelles. Une. Mince. Mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, je recompte juste pour être sûr de ne pas en avoir oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Non, c'est bon. On vient, donc quand nos 16 mailles sont tricotées, on vient faire 2 mailles ensemble, suivi de 2 autres mailles ensemble. Ensuite, on vient tricoter une maille individuelle qu'on tricote toute seule. On vient refaire deux mailles ensemble qu'on tricote toutes les deux. Puis, on vient refaire deux mailles ensemble. Et on finit par tricoter nos 16 mailles, toutes les mailles qui nous restent. 1, 2, 3. Et quand vous avez terminé de tricoter vos 16 mailles, il vous reste plus qu'à tricoter le rang à l'envers. Je tricote mon rang à l'envers et je vous retrouve pour la prochaine diminution au prochain rang. Mon rang à l'envers est terminé. Maintenant, on va venir faire la troisième diminution. On vient procéder de la même manière. On va tricoter 14 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On vient faire deux mailles ensemble. Donc on tricote les deux mailles ensemble, on pique bien les deux mailles à l'endroit du coup. On les tricote ensemble, on vient refaire deux mailles ensemble. Puis on tricote une maille individuelle.
On vient refaire deux mailles ensemble, donc on les pique bien à l'endroit. Voilà, j'ai mal piqué, donc on refait. Voilà. Et on vient refaire deux fois deux mailles. Donc on repique deux mailles ensemble. Et là, on finit nos 14 mailles du rang individuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et on vient faire notre rang à l'envers. Donc on tricote toutes les mailles à l'envers. On est toujours sur du jersey. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Le pli est en train de se former au niveau du milieu. Donc là, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et je vous retrouve pour la dernière diminution au prochain rang. J'ai terminé mon rang tout à l'envers. Donc voilà déjà comment vous pouvez apercevoir le chausson. Vous le pliez à ce niveau-là en fait. Donc voilà. On va venir procéder à la dernière diminution, dernier rang de diminution. Donc on vient tricoter 12 mailles individuelles, toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Donc là je suis en train de terminer le rang qu'on vient de faire en diminution. Et voilà nos 12 mailles. Et ensuite, on va commencer à faire nos prochains rangs. On va tricoter 7 rangs de jersey à partir du rang en vert. Donc je vous invite à prendre un petit compte-rang si vous en avez un. Sinon, vous prenez une feuille et un crayon. Moi, je vais prendre ceci. Et c'est parti pour nos 7 rangs. De jersey toujours. Donc c'est parti pour 7 rangs. Donc le premier rang est un rang en vert. Là nous sommes sur notre premier rang sur les 7 rangs à effectuer. Je vous laisse effectuer les 7 rangs de jersey et je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour les derniers détails en fait. Donc à tout à l'heure. Quand vous avez terminé de tricoter les 7 rangs de jersey, vous obtenez ceci. Donc là vous voyez, vous le pliez et ça vient vous faire vraiment de la botte. Maintenant on va procéder aux prochaines étapes. Vous allez venir faire avec la laine blanche parce qu'on va passer sur le blanc. Vous gardez la laine orange, vous ne coupez pas le fil parce que vous en aurez besoin juste après. Donc là, on va venir faire du coup 4 rangs de points de mousse. Pour faire 2 barres de points de mousse. Vous aurez besoin de 2 barres de points de mousse, donc c'est parti. Donc là, vous ajoutez la laine, enfin vous la mettez. Pas trop grand non plus. Hop. Et là, on tricote le rang tout en blanc. Et on fait 4 rangs comme ça. Pour avoir 2 barres de points de mousse blanches. Qui fera le haut de la botte en fait. Tout simplement. Donc je vais faire mes 4 rangs de points de mousse blanches et je vous montre le résultat juste après. J'ai tricoté du coup mes 2 rangs, enfin mes 4 rangs de points de mousse et du coup ça vous fait 2 barres comme vous pouvez le voir, 1 et 2.
Donc ensuite, on va reprendre l'orange. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas couper le fil orange. Il est juste là. Et vous allez venir le reprendre en fait. Voilà pourquoi il ne fallait pas le couper. Donc là, vous le prenez comme ceci. Et là, on va faire deux rangs de jersey. Un aller-retour simplement. Donc vous tenez bien vos fils. Et on commence à tricoter. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir le blanc dans ma main gauche. Voilà. Et là, il est là, juste là, et on tricote la maille et on tire le blanc en même temps, comme ça. Et on tricote le premier rang à l'endroit et ensuite le second rang à l'envers. Donc c'est parti. Là, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit parce que vous êtes sur l'endroit du travail, tout simplement. Je vais faire mes deux rangs de jersey. Parce que là, vous avez fait juste un aller-retour en jersey à réaliser tout simplement. Et je vous retrouve pour la prochaine étape après. Comme ça, vous verrez le rendu du jersey. Vous avez seulement deux rangs à effectuer. Quand vous aurez terminé de tricoter les deux rangs de jersey en ici, juste ici, j'ai fait mes deux rangs. Un aller-retour. On va procéder. Du coup, le fil orange, vous allez venir le couper à une dizaine de centimètres. Donc, on va couper à peu près là. Comme ça, la pelote orange, nous n'en avons plus besoin. Et on va repasser sur du blanc pour finir le chausson. Parce que là, il nous reste plus beaucoup de travail. Donc là, vous prenez le blanc ici. Vous prenez votre aiguille. Vous tenez bien le fil orange en même temps, les deux en même temps. Enfin, les deux en même temps, non, mais vous tenez bien. Et avec le blanc, vous venez passer dans la maille pour la tricoter. Et là, on va tricoter du coup 4 rangs de jersey, de points de mousse pour faire 2 barres de points de mousse. Donc, c'est parti pour tricoter 4 rangs de points de mousse. Moi, j'en fais 4. Mais beaucoup en font que deux pour terminer le tricot. Mais j'ai trouvé ça plus original de modifier le tuto et de faire à ma manière. Ce qui est bien avec cette paire de chaussons, c'est que ça va très vite à tricoter. Ce n'est pas très long. Une fois qu'on a compris, ça va un peu plus vite. Donc je vous laisse tricoter les 4 rangs de points de mousse. Parce que là, j'ai fait quasiment le premier rang. Il faut que vous fassiez le retour, puis les deux autres rangs. Donc il vous reste 3 rangs de points de mousse là à effectuer. Et ensuite, on fermera le tricot. Là, je démarre mon deuxième rang. C'est parti. Et je vous retrouve pour quand j'ai fini mes 4 rangs pour vous montrer le résultat. Je viens de terminer mes deux barres de points de mousse, donc mes 4 rangs. Et voilà ce que ça doit vous donner. Le chausson est terminé en fait là. Vous avez tout le jersey ici, les deux barres de points de mousse. Là, vous avez deux rangs de jersey orange. Et là, vous avez deux barres de points de mousse en blanc. Donc voilà. Et maintenant, on va venir fermer le tricot. Donc, on tricote les deux mailles. Pas trop serrées. Pour ne pas que le tricot soit complètement bizarre. On les rabat souplement. Pour que la fermeture soit belle. J'espère que la vidéo vous aura aidé à réaliser une paire de bottes de pluie orange, du coup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.
Là, je vais vous montrer le résultat une fois fini. J'ai terminé, donc là vous tirez la dernière maille et vous venez couper le fil. Pareil à une dizaine de centimètres pour ne pas être trop court. Vous prenez la boucle et vous venez récupérer le fil et vous fermez comme ceci. Voilà. Voilà le chausson. Donc là, se met là en dessous. Là, vous le pliez. Et ça vous donne ça. Voilà le chausson. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.